Shiva, à la Yahweh. Ok. Ça commence à prendre forme. Ça prend forme, ouais. Bon, là, on commence à avoir à peu près tout. Ouais. Donc, c'est cohérent avec un peu l'esprit de match. On veut montrer à quel point Match est un journal moderne, ancré dans l'air du temps. C'est l'album des Français. On aura dans ce numéro anniversaire ce mix d'exigences, hein, puisqu'il y a à la fois l'exigence journalistique et puis l'exigence visuelle, qui a toujours été entre notre signature. Il n'y a plus qu'à. Allons-y. En culture, il y a cette photo exploit qu'on a faite avec les Goncourt. On a la partie Trump-Macron, qui est l'actualité du D-Day, du débarquement en Normandie. Peut-être que le meilleur sujet, juste derrière, c'était l'idée de Match d'envoyer ce logo dans l'espace, et elle est assez formidable. Et derrière, alors, on a notre sujet Un jour en France. Il y a 20 équipes qui sont parties dans toute la France et qui essaient de prendre des tranches de vie. Donc c'est 10 pages d'immersion dans la société française. Ouais, ouais, donc on va vraiment le travailler comme un petit film. Prendre un peu le pouls de la France, c'est notre mission. Bon, après. Peut-être qu'on mettra le Delon Belmondo. Ah oui. La réunion de nos deux monstres, ouais. Les personnages de Match. Et ensuite, quatre grands personnages qui abordent les grandes problématiques du temps. Donc on a le pape, et là ce qui est formidable, c'est qu'évidemment, ils étaient tout seuls au Vatican. C'est un samedi après-midi, il n'y a personne d'autre, c'est assez extraordinaire. Et ensuite, Christine Lagarde, elle couvre toute la problématique des femmes, l'accession des femmes au pouvoir. Derrière, notre troisième personnage, Bono. U2, la rencontre à Belfast. I'd say Bono anniversaire, very nice. Thomas Pesquet. Il va clôturer la séquence. D'accord. Et puis ensuite, on redescend sur des sujets de société, la santé avec le sujet des greffes. Il s'agit d'une photo vraiment choc. C'est une des images les plus fortes qu'on va avoir. Après, l'environnement, le grand sujet, le réchauffement climatique. Et après, tu as interview de Salgado. On voit le couple au milieu de cette forêt qu'ils ont replantée, qui est très très bien. On sort avec des sujets un peu plus légers. Possibilité de présenter à nos lecteurs Bella Hadid, qui est le top modèle numéro 1 du moment. Et puis, la piste aux étoiles, c'est la réunion de tous ces grands chefs français autour d'Alain Ducasse. Et après, on s'en va alors vers l'art de vivre à travers Patrick Bruel, car il n'est pas simplement chanteur, il est aussi producteur d'huile d'olive. Merci d'être là, merci d'avoir toujours été là, et bon anniversaire. Moment d'émotion pour toute l'équipe. Bon anniversaire Paris Match. B, B, A, A, T, T. Voilà.